Vous êtes toujours avec Brian Lefouinard. On continue notre tournée. À soir, c'est pas un soir ordinaire. C'est un 50 tours pro stock. Puis ce soir, c'est pour une fondation. J'ai à côté de moi Dave. Dave Séguin. Dave Séguin, toi, tu as deux filles qui sont aux prises avec ce gène-là, cette maladie-là. Mm. Tu me le dis si tu veux que je parle en anglais ou en français, tu me le dis, OK? OK. It's called, the condition they have is called NGLY1 deficiency, so NGLY1. We're just raising money for the Grace Science Foundation. They're on a mission right now to cure NGLY1 deficiency. Right tonight we're raising money for the Grace Science Foundation. They got a lot of stuff, a lot of researchers, scientists all over the world working on the curing NGLY1 and even other rare diseases also. So they're a great foundation. They're from Palo Alto, California. They're on a mission to cure NGLY1. My daughters, one's 5 and one is 2. They both have this. It affects their muscles. They get weak muscles, seizures, global developmental delay. So there's a number of pretty serious conditions, and also liver disease also. So it's pretty serious condition. So, you know, we're doing everything we can to help this foundation, find a cure for it. Okay. Pour faire un résumé là, assez court, bien sûr, c'est une fondation qui ramasse de l'argent pour venir en aide, faire des recherches comme telle. Il y a deux de ses filles, une de 5 ans, de 2 ans, qui sont aux prises avec ça. Ça l'affecte les muscles, ça l'affecte aussi les larmes. Vous pouvez aller voir sur le site, plus de définitions, c'est le NGVL1. Donc, c'est plus précis, ça touche au niveau... c'est très rare comme cas. Ça arrive peut-être 1 sur 200 000, puis ces deux filles sont atteintes de ça. Donc, je trouve que c'est une belle initiative d'avoir pensé à faire une récolte, une soirée au nom de ces deux filles, puis au nom de la Fondation. Je sais que la Fondation va ramasser beaucoup d'argent ce soir. Je vais demander à Dave voir où est-ce qu'on en est rendu au niveau de l'argent. L'objectif, ce serait quoi à atteindre? So, tonight... What do you expect for the foundation for the money for tonight after the race? After the race, we had a pretty good turnout so far. I think we got around $3,500. So after tonight, I'm hoping it'll be between $4,000 and $5,000 anyway. So that's great. I appreciate everyone's support. Everyone seemed to come on board. I brought this race out in February to Ray and Martin, the promoter. They were all for it pretty much from the get-go. So, with a number of people working on this, and it seems like it's going to be a pretty good turnout. So hopefully you have a good car count tonight. I think quite a few pro stocks are starting to show up, so it'll be a good event. So. Oui. Bon, ce qui résume, qui dit à environ 3 500 $ de ramasser, l'objectif, bien sûr, ce serait... atteindre le plus proche possible de 5 000 $. Durant l'intermission, ils vont passer le chapeau, ramasser de l'argent. C'est un 50 tours. Depuis 6 mois de février, avec le promoteur Martin Ballanger, qui a annoncé, bien sûr, cette soirée spéciale. Donc, il espère d'avoir beaucoup, beaucoup de pro-stock pour répondre, bien sûr, qui ferait, bien sûr... une belle boucle, fermerait une belle boucle pour la soirée, pour ramasser de l'argent. Puis j'espère que cette soirée-là va être, bien sûr, un événement qui va revenir d'année en année. I hope for the next year too, we coming back. Yeah, for sure, that'd be great. We'll see how this one turns out, and we'll go from there. We'll have a good race, and it's a good show for the fans, and... I'm sure we'll have a good turnout for a number of fans in the stands and all that, and just want to be a fun race. I appreciate all the guys who came out from Quebec, and we've got a few guys from New York here too, so I appreciate everyone's support on this. It really means a lot. So. And you know what, Dave, tonight, there must be to win tonight. Yeah, well, that's it. I'm going to try my best, that's for sure. We got some good cars, and
And we've been running good too, so we'll see how it plays out in the end, and that's the goal, is to win it. So. Because you are second or third in the, for the championship here? Yeah, I'm second in points right now. So, just keep, we're not really looking at the points too much, just continue on being consistent. We've been finishing in the top five pretty much all year, and just continue on being consistent and see how it plays out in the end, so we'll go from there. Ouais, pour résumer, bien sûr, j'ai dit ce qui serait intéressant, c'est de gagner la course ce soir. Il dit oui, il dit je pense que ça l'a animé en disant ça. J'aimerais bien remporter cette course-là. Je pense qu'il la mériterait. Il en a gagné une cette année. Il est surtout consistant. C'est bien sûr qu'il ne regarde pas les points, mais il est deuxième dans les points au niveau du championnat ici à Cornwall. Donc, thank you so much, Dave, for the interview. Thank you. That's your T-shirt, eh? That's it, yeah. Yeah, yeah. Turn around. Turn around, yeah. That's Grace Science. Foundation. 360 Nitro.tv, tu ne veux pas manquer ça.